le sur ça, c'est problème. J'ai dit à la 17 de la famille. Et 7, il a quoi? Dans 7, il a Z dedans. Hein. Il est comme le. Il est comme le Z. Voilà le Z. Il y a le Z dedans. Et voilà. Il y a le Z. Ceci. Là, il y a le Z. Et puis, en bas. En bas, c'est quoi? Voilà. Z, elle est en haut. Et en bas, là, il n'y a pas là, ceci. Ceci, là encore, c'est encore quoi? C'est quoi 7 ça? 7 aussi, c'est écrit. 7 c'est écrit comme ça. 7 c'est écrit aussi comme ça. 7 c'est du clavier, par exemple. Là, comme ça. Le Z, là, c'est quoi? C'est là, d'accord. C'est quoi? C'est un jumeau de quoi? 7 c'est écrit Z et 7 encore. 7 c'est écrit Z et 7 encore. Comme ça, elle est comme une Z et 7. Et tout ceci se lit 7. Le Z est là, c'est quoi? C'est en fait quoi? Un jumeau de 7. Vous savez que les jumeaux, on ne les distingue pas. On ne les distingue pas. On ne les distingue pas. Je vais bien. Hein? 7. Elle est comme une Z et de 7. Et tout cela se lit 7. C'est comme ça. Z et le 7. Et tout se lit 7. Ça veut dire quoi? En fait, Z et 7 sont les jumeaux. Ce sont les jumeaux. Et on les confond les deux à 7. C'est comme ça. On les confond à 7. Parce que les jumeaux se ressemblent. C'est comme ça. Ce jumeau-là, vous le voyez dans 7, il est au-dessus de 7. Et quoi c'est? C'est la vapeur. C'est la vapeur. C'est la vapeur. La vapeur qui monte. Qui monte de 7. Quand 7 est en train de réfléchir. Réfléchir à quoi? Au problème. C'est comme ça. C'est la vapeur. 7 c'est la vapeur. C'est comme ça. C'est la vapeur. C'est comme ça, c'est la vapeur. C'est la vapeur qui monte. C'est comme ça. C'est là la position de 6. C'est là la position de 6. Le 6 c'est quoi? C'est 1 plus 10 plus 15. Ça fait 1 à la position 1 de la position A. 10 c'est 10 à la position 15 de la position de 0. Moi je ne vois pas comme 0. Comme 0. Et puis je vois quoi? À 100.